Donc la prochaine discussion sera en français et il y aura la traduction français-anglais sur Zoom. So those who want to listen in English can listen in Zoom. Et j'aimerais inviter mes collègues Dominique et Georges pour parler de Wikifranca. Donc bienvenue à nos collègues du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Bonjour tout le monde. Qui sont ceux qui parlent le français? Ok, d'accord. Donc, je parle à beaucoup de personnes qui parlent le français. Et donc, je me présente. Je suis Dominique Eliane Yao. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis membre de Wikimedia Côte d'Ivoire et je suis présidente du conseil d'administration de Wikifranca et je suis également ambassadrice régionale de Art plus Féminisme dans la zone francophone. Je vais laisser Georges, je suis avec Georges, je vais le laisser se présenter. Moi je suis Georges Fodoc, je suis du Cameroun et secrétaire général de Wikifranca. Et Georges, tu vas prendre ton rôle à MCDC. J'ai d'autres casquettes. Voilà, c'est. Je suis membre de MCDC, Mouvement Chartered Archive Committee, je suis membre de. Je suis ambassadeur de Comme quoi, dans la communauté Wikifranca, il y a beaucoup d'ambassadeurs. Alors, nous allons vous parler de la communauté Wikifranca. Pour ceux qui en ont déjà entendu parler, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous allez découvrir. Donc, oula, je crois que j'ai cliqué dans le vide. Ok. On va essayer un peu de vous dire ce que c'est que Wikifranca, un peu l'historique, nos objectifs, et puis on parlera de là où on s'en va, là où on est en train de partir avec cette communauté. Donc, je passe la parole à Georges. Ok, merci de me passer la parole, Eliane. Sans faire référence au slide, je viens d'une table ronde tout à l'heure, on parle d'erreur, une présentation faite par Yom. Et dans la présentation, elle a dit quelque chose qui m'a personnellement marqué, quoi. Je n'avais vraiment jamais vu ça. C'est que si vous parlez d'erreur, il faut parler, faire référence à. Je peux faire regarder parce que j'ai pris la photo. Sincèrement, ça m'a beaucoup marqué parce qu'il fallait que je comprenne aussi, même si je m'en viens ici, que je comprenne de quoi est-ce qu'il est question. Elle a dit, c'est en anglais, focus on need first. Se focaliser sur le besoin en premier. Si on veut parler de l'historique, en fait, on comprendra que le besoin premier de Wikifranca, c'est la langue française. C'est ça, c'est la langue française. Donc, c'est ça qui nous réunit, les membres de Wikifranca, c'est. En fait, une collaboration entre les groupes francophones du mouvement Wikimedia, qu'ils soient reconnus officiellement comme affiliés ou non. On pourrait expliquer pourquoi ils sont affiliés ou non, parce qu'il y a, ils sont là, Wikimedia, Algérie, Belgique, Canada, France, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Haïti, Maroc, RDC, Tunisie, les 100 pages, je vois pas bien, Wikin Africa, et aussi. Un dernier affilié qui nous a rejoint dernièrement. Et les communautés qui ont fait la demande, je voudrais rappeler qu'il y a des communautés qui ont fait la demande, il y a le Rwanda, il y a le Sénégal, il y a le Burkina Faso et il y a le Togo. On a une procédure d'adhésion qui doit être soumise à ces différents pays. Après les avoir remplis, on pourra donc confirmer ou non si ces pays-là peuvent faire partie de. Donc c'est ça Wikifranca en fait. L'historique en fait est partie de quoi? D'une rencontre qui s'est tenue en 2011 et 2012 sur la possibilité d'une collaboration entre tous les francophones. Ça c'est la base, c'était en 2011. Et en 2012 donc il y a eu officiellement une rencontre qui s'est tenue lors de Wikimania à Washington où les francophones présents se sont rencontrés
Et ils ont dit, il est important qu'on commence à réfléchir ou à matérialiser notre collaboration ensemble. Et officiellement, donc, le terme Wikifranca a été retenu en 2013. La particularité de Wikifranca, donc, c'est quoi? C'est qu'il y a une activité qui nous réunit tous. C'est le mois de la confession francophone. Ça, c'est vrai, le premier événement qui a été mis sous pied et qui permet aux francophones, à travers le mois Wikimedia, de contribuer en français. Ça, c'est dans le cadre du mois de la contribution francophone. En 2016, donc, la première édition du mois de la convention francophone s'est tenue. Donc, on a une activité commune. Le mois de la contribution francophone, c'est tout le temps à partir de mars. Et on a une rencontre commune, la Wikiconvention francophone, qui se tient chaque année. La dernière édition, c'était en Côte d'Ivoire, le mois dernier. Et officiellement, donc, Wikifranca a été mis sur pied en 2021 à travers l'Assemblée générale qui a élu donc, le nouveau comité d'administration dont Eliane et moi avons été renouvelés lors de l'élection l'année dernière à Paris. Donc voilà un peu pour l'historique concernant Wikifranca. Donc on est au deuxième mandat de notre existence comme membre du bureau du CA. Voilà un peu l'historique pour les francophones qui sont là. Merci. Alors, Georges l'a mentionné tout à l'heure, Wikifranca, c'est la collaboration des groupes affiliés francophones. Et donc, nous avons plusieurs membres dont il a parlé tout à l'heure. Et notre objectif à travers Wikifranca, c'est quoi? Nous aimerions aider ou encourager les activités dans les différents projets Wikimedia en français. Donc, toutes les communautés francophones qui se réunissent et qui décident de regarder dans un même sens, avoir un même but, avoir des objectifs similaires qui vont permettre le développement de cette communauté-là. Nous voulons aussi, à travers Wikifranca, ériger un hub francophone qui sera l'un des plus grands dans la grande communauté Wikimedia. Et puis, à travers Wikifranca également, nous voulons soutenir les événements des groupes existants dans leur localité et les différentes activités qui sont organisées par nos membres affiliés dans les langues locales aussi. C'est vrai que la langue commune qui nous réunit, c'est bien sûr la langue française, mais dans la communauté francophone, il y a une diversité de langues. Et l'un de nos objectifs, c'est d'accompagner nos communautés à promouvoir les différentes activités qui se tiennent dans leur langue locale. Tac, la technique. Le premier, le Wikifranca, c'est la langue française. C'est la langue française. Donc, c'est ça qui nous réunit. Les membres de Wikifranca, c'est en fait une collaboration entre les groupes francophones du point Wikimedia. Qu'ils soient reconnus officiellement comme affiliés ou non. On pourra expliquer pourquoi comme affiliés ou non, parce qu'il y a des spécificités par rapport à ça. Et vous pouvez aller voir dans les différents logos qui sont là, Wikimedia Algérie, Belgique, Canada, France, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée. Alors, je vais nous voulons faire de Wikifranca un hub parce que notre objectif, c'est de centraliser. Nous voulons centraliser, mutualiser et puis essayer de capitaliser sur l'ensemble des activités que chaque communauté francophone mène de son côté. Je pense que seul, on va peut-être plus vite, mais quand on est ensemble, on va encore plus loin. Donc l'objectif, c'est de faire de cette communauté francophone-là un hub fort qui mène des actions ensemble pour encore renforcer les activités de cette communauté-là, de Wikifranca, des communautés francophones. Donc Wikifranca, c'est un ensemble de 18 affiliés membres, un conseil d'administration qui est à son deuxième mandat. Donc à partir dans un mois, nous aurons une autre assemblée générale. Le mandat auquel appartient Georges et moi, et sur place depuis 2021.
Il a été renouvelé en 2022, donc nous sommes à notre deuxième mandat. Et on est certain que nous avons certes pu accomplir des choses ou travailler sur un certain nombre de choses pour faire avancer la communauté. Mais nous savons également que nous avons joué notre rôle. C'est comme si on était en train de construire des rails et les rails doivent passer dans des villes. Et le train qui doit passer sur ces rails-là, c'est le train Wikifanka. Donc, la construction des rails est arrivée à notre niveau. Nous avons essayé de poser les fers qu'il fallait, les pointes qu'il fallait pour que ça soit solide. Et cette construction-là continue. Il y a d'autres personnes qui vont venir apporter leur fer, leur pointe, etc. pour que le train Wikifranca puisse continuer à évoluer. Donc, Wikifranca, c'est aussi une commission de microfinancement. Nous travaillons à aider toutes les communautés francophones qui en ont besoin à avoir les moyens qu'il faut pour pouvoir mettre en œuvre leurs différentes activités. Donc nous avons centralisé un certain nombre de fonds pour pouvoir les dispatcher au niveau des différents membres, des différentes communautés qui en ont besoin. Donc une commission de microfinancement qui existe, comme Georges l'a dit tout à l'heure, une activité commune dans le mois de la contribution francophone, et puis une rencontre annuelle qui est tournante, qui est la Wiki Convention francophone qui se déroule chaque année dans des pays différents de la sphère francophone. Donc l'année dernière, ou du moins cette année 2023, nous étions en Côte d'Ivoire avec Wikimedia Côte d'Ivoire, dont le président est là, Benassi Kanga. Et l'année prochaine, nous serons à Québec avec Wikimedia Canada. Donc chaque année, nous nous déplaçons d'un pays à un autre pour pouvoir célébrer cette rencontre-là, qui est un peu comme Wikindaba, mais qui est pour la communauté francophone. En attendant que ça s'ouvre, je vous prie d'admirer la photo. Ah, c'est parti. La photo du CA. Et donc, en perspective, comment? Oui, non, ça c'est le CA actuel, le deuxième, voilà, le deuxième CA, donc qui est composé de Michael, de la gauche vers la droite, qui est composé de Michael, de Georges derrière moi, de Delphine et de Mamadou, puis moi juste en chapeau rouge. Voilà, donc ça c'était à la Wikiconvention francophone cette année à Abidjan. Et puis en termes de perspective, qu'est-ce que nous voulons faire? Comme je le disais tout à l'heure, mettre en place un hub sur lequel nous travaillons. Ensuite, préserver et renforcer les acquis, élargir notre temps, donc aller à la conquête de nouveaux membres. Georges l'a dit tout à l'heure, nous avons de nouveaux membres qui nous rejoignent, donc des communautés montantes que nous essayons d'encourager à grandir, encourager à faire de grandes choses d'une manière ou d'une autre. Et nous voulons également, à travers Wikifranca, à travers donc ce hub-là, porter le message des francophones au niveau de tout le mouvement. Et en ce moment, nous sommes en train de travailler sur un grant de recherche. Et nous avons soumis le grant et vous pouvez aller soutenir d'ailleurs, il est sur Meta, vous pouvez aller soutenir cette demande-là qui va nous permettre de faire une recherche dans toute la communauté pour voir les besoins exacts de la communauté, comment est-ce que nous pouvons les aider à grandir, comment est-ce que nous pouvons les aider à évoluer. Donc il faut dire qu'au sein de Wikifranca, nous avons des chapters tels que Wikimedia France, Wikimedia Suisse, Wikimedia Belgique et Wikimedia Canada. Voilà. Donc, notre, pas slogan, mais notre leitmotiv, c'est que les plus grands puissent aider ceux qui sont encore nouveaux à pouvoir se développer. Donc, ces quatre chapters-là, nous aident véritablement dans ce sens-là. Et nous travaillons ensemble pour pouvoir faire évoluer toute la communauté francophone wikimédienne. Donc nous sommes en train de travailler sur cette recherche-là qui, nous savons,
ou du moins nous espérons, va nous aider à connaître les besoins véritables de chacun des membres de Wikifranca et pouvoir les aider à faire évoluer leur music group ou leur affilié. Georges, est-ce que tu peux ajouter quelque chose? Oui, je veux simplement ajouter concernant le grant. C'est en fait une des actions de Wikifranca, c'est le soutien aux communautés. Et le soutien, en fait, se garder de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'il y a la commission de microfi qui existe. C'est un soutien que nous apportons à nos communautés. L'autre chose, c'est aussi véritablement capaciter les communautés. Je voudrais quand même dire déjà qu'on a résolu au niveau du CA qu'à partir de cette année, l'année de 2024, le mois de la contribution francophone doit être coordonné par une communauté. À l'époque, c'était le CA qui le faisait. Mais on s'est dit qu'il est important que nos communautés commencent à s'intéresser à l'organisation d'événements d'envergure internationale, comme la Côte d'Ivoire l'a fait avec la convention francophone. Et la RDC, donc, s'est portée candidate pour pouvoir donc coordonner le mois de la contribution francophone qui, pour nous, donnera, en termes d'impact, en termes de participation et en termes de contribution, de passer à notre niveau. Ça, c'est vraiment un défi que nous l'avons relevé. Sur les 18 affiliés, avec les 3 ou 4 qui font à la porte, nous pensons que nous pouvons véritablement apporter un plus en termes de contribution dans le milieu francophone. Et sur concernant le grant, le grant en fait va nous passer à un autre niveau parce que l'étude va permettre qu'on puisse solliciter auprès des différents affiliés les besoins. C'est quoi nos besoins? Est-ce que c'est la formation? Est-ce que c'est la gouvernance? Est-ce que c'est le leadership? Est-ce que c'est l'encadrement ou l'accompagnement? C'est tout ça qu'on va collecter auprès de nos différents affiliés et voir maintenant comment travailler à une planification sur le court, le long et le moyen terme, évidemment pour accompagner chaque communauté dans son développement. Voilà un peu les objectifs du grant. C'est d'abord une étude et on passera à un deuxième grant qui nous permettra évidemment de renforcer les capacités en fonction des demandes. Donc, on a soumis le grant déjà. L'idée, c'est que les communautés puissent soutenir le grant. Parce que le grant sera pour vous, hein. Ce sera pour vous, parce qu'on viendra vous solliciter par rapport à vos besoins. Et dans l'exécution, plus tard, ce sera toujours à votre intention. Donc, on vous prie vraiment d'être assez attentif par rapport à ça et d'apporter le soutien nécessaire dont on a besoin pour le grant. Parce que je voulais ajouter à la soutenir. Merci beaucoup, Georges. Et je crois qu'on est intervenu sur tout ça. Ce sont les prochaines. La suite des perspectives, donc on a parlé du mois de la contribution avec le Congo, la Wikiconvention francophone qui aura lieu à Québec, et puis on aura une prochaine assemblée générale élective qui va voir certainement un nouveau CA prendre le relais de l'ensemble des activités que nous avons pu mener jusque-là et qui va continuer à servir de ressort pour le développement de la communauté francophone, le hub Wikifranca. Voilà, merci beaucoup. Et du coup, c'est la question des ajouts aussi. Hein. Nous avons des leaders de communauté. Si vous avez des questions, des préoccupations, ce serait toujours bien d'agir. Passer le micro. Permettre aux personnes sur Zoom moi c'est Blasien, Ganga, de l'Épimédia Côte d'Ivoire. Moi déjà, premier jour, déjà merci pour votre présentation, merci aussi pour le travail que vous avez fait dans la structuration du hub. Moi, première chose, pourquoi je voulais dire, c'est surtout un complément d'information. La première chose, c'est que pour moi, Wikifranca, c'est déjà un hub. On n'est pas, en fait, la question ne se pose pas. C'est un hub, avant même que l'idée des hubs émerge au sein du mouvement, Wikimedia est un peu comme un pionnier Wikifranca a anticipé parce que, par exemple, aujourd'hui, si on peut parler de Wikimedia au Togo, c'est Wikifranca. Moi, je me souviens que j'avais fait une mission au Togo juste avant la Covid pour former ceux qui sont aujourd'hui les leaders de la communauté de Wikimedia au Togo. Le même modèle au Mali, à travers la collaboration avec Wikifranca, le même modèle même avec Wikimedia Tchad, où nous, on avait reçu dans le cadre de l'OIF, un Wikimédien en communauté pendant un an,
et au retour. Voilà, donc Burkina Faso, et donc pour nous, en tout cas moi, à mes yeux, l'équipe Franca, c'est un club. Je pense que la question qui se pose maintenant pour l'équipe Franca, c'est la structuration, la formalisation qui fait son cours. Jusque-là, on était un réseau, on n'avait pas de CA. Aujourd'hui, on a un CA qui a son deuxième mandat, qui essaie de se professionnaliser avec un staff et autres. On a le microfilm qui aussi fait fonctionner les communautés, parce que toutes les communautés n'ont pas la capacité de capter de gros financements de la fondation. Et le microfilm est une solution, parce que le microfilm, c'est des petits financements entre 2000 et 5000 euros. Mais ensuite, les microfilms sont très faciles à écrire. Si ça fait pas, c'est quoi, 4 ou 5 parties, assez simple, précis, concis. Donc ça permet tout de suite de mobiliser les financements. Et de, donc pour nous, Wiki Fondra, c'est un bon modèle de hub. Et je pense qu'il faut rester focalisé sur, et c'est là, je pense que le défi de Wiki Fondra aujourd'hui, c'est serait de vraiment ne pas sortir de, son, de sa mission, qui est de soutenir, supporter toutes les communautés de langue française. C'est ça le, c'est pour ça que Wiki Fondra est né, essayer de mutualiser les forces aider tous ceux qui sont là, parce que nous sommes d'accord que Wikimedia reste un mouvement dominé par les anglo-saxons. C'est là-bas que c'est né, c'est la langue qu'on parle, donc on ne va pas le nier. Mais en tant que mouvement multilinguiste, Wikifranca peut jouer ce rôle sur l'angle. Et moi, donc, ça m'amène à voir les hubs comme des acteurs sur. Moi, je vois trois types de hubs. C'est d'abord au niveau linguistique, ensuite au niveau territorial. Et puis le troisième, c'est au niveau thématique. Je pense que c'est sur ces axes-là qu'on a les hubs qui peuvent aider à prolonger l'action des communautés locales, territoriales ou des bénévoles. Donc voilà un peu ce que je voulais apporter du fait de notre expérience au niveau de Wikifranca. Merci et beaucoup de courage. Merci. Merci. Je voulais ajouter une chose qu'on a oublié de signaler. On a déjà une commission de communication. Hein. On a actuellement une commission de communication qui est à pied d'œuvre. La commission s'est véritablement déployée pendant la convention francophone, et actuellement la commission a entrepris aussi des actions de refonte de notre page méta avec tout ce qu'il faudra mettre à jour comme information et structuration. Pardon. On fait quand même pas mal de choses qu'il faudrait remarquer quoi, à la suite de ce que Donatien a dit. Merci beaucoup Donatien. Il a tout dit, je pense. Et donc, si vous avez d'autres questions, des suggestions, il faut dire que nous sommes en pleine évolution. Et donc, les suggestions, les propositions sont toujours les bienvenues. Nous les acceptons et nous essayons de les adapter, de les adapter à notre contexte en tant que hub linguistique et thématique aussi. Il n'y a pas d'autres interventions. Nous allons passer la suite. Merci beaucoup encore pour votre temps et pour votre attention. Merci.